This train is for Waterfront. Retour dans la grande ville. Cette ville. Même si, selon les quartiers, il y a quelques petits problèmes de drogue. Bon, c'est pas tout ça, mais nous sommes attendus à Whistler. Retour aux grands espaces. Sous la flotte. Après avoir passé 2 jours sous un temps très couvert, il s'est dégagé. Et même si on avait déjà vu de magnifiques paysages, on a quand même eu le souffle coupé. Ayant accueilli les Jeux Olympiques d'hiver en 2010, Whistler est entouré de glaciers et offre de somptueuses balades. Accueillis comme des rois par le frère d'un très bon ami, nous profitons de ce cadre idyllique au cœur de la forêt pour faire connaissance avec sa famille et étancher notre soif de découverte et de partage. Cela clôture notre séjour canadien en beauté. D'excellents souvenirs plein la tête pour toute la famille. Un énorme merci pour Pascal, pour Magali, Marine, Léa, Camille et Denis. Un gros
gros merci pour Maverick aussi. Oui, content. Maverick était très rigolo. Ouais, pas mal. Ça fait un peu trop. Même que je me colle les doigts. Les doigts tout collants. Tous libres seuls et tous ceux qui sont seuls, allez venez et entrez dans la danse, allez venez à entrer dans la danse. Si c'est pas beautiful, j'ai adoré les oursons. À Whistler, j'ai préféré quand j'étais dans l'hélicoptère et que j'étais dans la benne de la voiture.